Les gars, rien à voir, mais je pensais à un truc du fait que j'ai fait 1,5 million de vues sur un réel et 1 million sur l'autre. C'est pas pour ça que je vais continuer de faire des réels comme ça juste parce que ça marche. Non, moi je me plais beaucoup plus à faire du lifestyle, du qui je suis, de parler avec vous comme ça et tout. Et c'est ce qui me prend beaucoup plus par les tripes et c'est ma passion, c'est ça que j'aime. Et de toute façon, c'est ma passion qui prendra toujours le dessus et pas le nombre de vues ou de likes ou etc. etc. Quand tu vis pour quelque chose, tu le vis pleinement jusqu'à la fin de ta vie et on s'en bat les couilles de ce qu'il y a autour. Voilà. C'était juste un message comme ça. Voilà. I don't need it. Fast. Oh, ma techno girl. Ouf. Tu le coupes du coup. Come on, madame. Ready? Let's go. Marseille, bébé. Ça va, mes loulous? On est samedi. Départ pour Uluwatu, je suis trop chaud. On va aller rejoindre les potes, direct dans le Airbnb d'abord, parce que eux, ils arrivent ce soir. Donc, il n'est pas bien le plan, là? On n'est pas au top, là? Ça, c'est mes sujets du jour que je parle dans mes vidéos, pour quand même que ce soit du lifestyle, mais avec mes idées, que je les oublie pas, que je puisse vous en parler. Ouais, en fait, je me suis chopé un nouveau workflow. Je pense que je vais travailler comme ça, puisque je suis focus sur YouTube, comme vous avez pu voir. Et il y a des 50 000 vidéos YouTube qui arrivent. Donc, ce que je fais, c'est que pour mon organisation, en fait, je me base sur mon premier contenu à faire, c'est une vidéo YouTube. Une fois que j'ai fait ma vidéo YouTube, je fais des screenshots de cette vidéo qui va me permettre, en fait, de pouvoir soit mettre en fond sur des stories, de pouvoir faire ma miniature aussi, surtout, parce que ça, c'est important, même si ma miniature, vous avez vu, c'est un truc très simple, hein, j'ai fait pas comme ces youtubeurs en mode totalement retouché avec Photoshop et tout machin pour que tout le monde soit là. Non, on a dit raw, les gars, raw, simple, efficace, juste ma colo, mon truc, boum, ça suffit, c'est beau, c'est comme avant, tu kiffes, tu vois, c'est à l'ancienne, c'est tu venais, tu regardais la personne, tu kiffais ce qu'elle faisait, c'était des choses très simples et tout machin. Moi, c'est ça qui me manque, tu vois. Donc je repars dans ça, je vous transmets qui je suis, je vous transmets mes pensées, je vous transmets ma façon de vivre, qu'elle soit autant simple que je fais rien tous les jours ou que des choses de dingue vont arriver ou quoi, tu m'as compris. C'est vraiment du partage et je pense que ça vous fait même plaisir. Pour moi, ma vie me paraît simple, elle l'est, et je suis ok avec ça, mais en même temps c'est un kiff pour vous, je pense, parce que c'est quand même Bali, je vis à Bali, même si je fais pas tout ce que je veux non plus pour le moment, mais je trouve que c'est cool de vous partager des petits endroits, genre là Uluwatu aujourd'hui, vous voyez, ce qui s'est passé là avec Mika aussi, ça vous a plu, j'en suis sûr. Donc voilà, donc c'est ce qui amène à faire ça. Ensuite, une fois que j'ai fait mes screenshots, je passe sur, pour vous, en fait, comme un espèce de teaser, je fais un carrousel. C'est-à-dire que j'ai fait mon carrousel de 4 à 5 petits passages de la vidéo YouTube qui permet de pouvoir faire un post déjà et de vous donner envie en mode « Waouh, trop bien, j'ai envie d'aller la voir cette vidéo !» Donc ça, c'est cool, tu vois, moi, c'est ça qui je trouve ça bien. Donc je suis passé sur un nouveau format en 4 tiers, ratio 4 tiers. Donc c'est le format 35 mm, il me semble. Et c'est grave cool, je kiffe, c'est vraiment ce petit carré comme ça avec les bords autour et je le poste directement au réel et c'est ce que j'aime bien aussi. Donc il faut faire des réels aussi pour ça, ne hein, vous en doutez, je vous ai pas parlé du réel, mais tout ce que je fais là me sert pour les stories et pour faire des réels aussi. J'ai remarqué un truc, c'est que y a un mec qui postait, vous voyez, le format 4 tiers, ratio 4 tiers comme ça, sauf que quand tu regardes sur le feed, t'as que la vidéo là, donc t'as le nom au-dessus, tu sais, et t'as je te mettrai un screenshot, sur mes derniers posts, j'ai réussi à le faire, parce que c'est ce que je voulais faire, je trouve ça plus joli, que de poster au format 4 tiers, tu vois. Enfin, c'est pas que tu postes au format 4 tiers, c'est que ta vidéo à l'intérieur est au format 4 tiers, mais toi tu t'es mis en format story, ok? Donc ça veut dire que quand tu postes, t'as ta vidéo, mais t'as des grosses bandes noires au-dessus et en dessous. Et moi ça, je trouve ça pas beau, c'est pas professionnel.
Et en fait, il faut tout simplement poster ta vidéo en 4 tiers. Et le fait de la poster en 4 tiers, ben, t'as pas de bande noire au-dessus, en dessous, sauf quand tu cliques et que ça ouvre ton réel, et là que ça sort comme un réel, bien sûr. Mais sur ton feed, tu l'as en petit. Ça, gros kiff, c'est ce que je voulais parler. Maintenant, on va faire la couleur avant de partir là au Louatou. Are you ready for Kanubutu, mother? Yes. Yeah? Yeah. You gonna enjoy? Sure. Sure. I'm gonna go to the beach. I'm gonna sleep a lot. On the beach. And you? Me too. When you speak, you need to turn your camera. No. No? You can? I can turn like that, yes. But it's below with the light here. It's better. What are you gonna do in a lot? I'm gonna do nothing. Chill. Make my YouTube video. And chill. And make another YouTube video. And chill. And Sunday night be fucking drunk. What? Yes, maybe, yes. Reboot my soul with my friends. We're gonna drink? Yes, I think. Sunday night? Yes, with everybody. Everybody. Okay, I need to do my hair, my love. Kiss, kiss, love, love, I love you. I love you, my big sexy ass. Pour ceux qui me posent tout le temps la question, tu utilises cela là. Hop, attends, tu verras mieux. Voilà. Ça c'est ce que j'utilise pour mes cheveux. Quand t'es gaucher, c'est vraiment la merde de passer la main droite pour faire l'arrière de ta gueule. De ta tête. Vas-y, je vais le faire de l'autre côté, m'en bats les couilles. Allez, on est bon. Chronomètre, 40 minutes, 1 heure. Normalement, c'est 1 heure, mais vu que j'ai pas beaucoup de cheveux, 40 minutes, ça devrait être bon, frérot. Bon, bien arrivé dans l'Airbnb. Ça va, c'est cool. En vrai, c'est sympa. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne et tout. On a payé 170 balles de nuit. Ça fait un peu cher, surtout que la route, elle est vraiment, c'est le bordel pour venir. Elle n'a pas été refaite, rien, laisse tomber, c'est ghetto à mort. Mais en vrai, ça va, on va pas se plaindre. 170 balles, on met 3 en plus. Dacha et moi, on divise tous les deux. Et mon pote, il paye les autres 50%. Donc en vrai, ça va, on est quand même pas trop mal, tu vois. Je vais vous montrer ce que ça donne. En vrai, c'est chill, j'aime bien, ça, j'aime bien. Ma petite Dacha qui arrive. Je la laisse prendre son scooter parce que je vous avoue qu'avoir quelqu'un derrière moi sur un scooter, j'aime pas, c'est beaucoup plus lourd. Et en plus de ça, c'est super chiant avec le trafic qu'il y a, c'est juste totalement une horreur. Moi, loulou. Hello. What the hell is that? What the hell? If we live here in Chengdu. What with your hair, mother? Something happened here, no? Maybe. Maybe. I don't know. Hello. I didn't see yet. Yeah, it's good if we have like house like this in Chengdu. What? Good. What? It's little it's small. Plate for soup. It's little small. Yeah, little. Whoa. Oh, chili. Yes, baby! White, 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 baby! Hello! What's wrong here? I said, what's wrong? Like, white, baby! Ah! On est pas bien, là! On est bien! Bon, je vais vous parler d'un autre petit sujet que j'ai noté. C'est parler des expatriés qui vivent justement à Bali et qui partent souvent à gauche et à droite pour aller respirer le week-end de Canggu, du coup, et tout ce bordel, et ce trafic, et ces Instagrammeurs à la con, là, comme moi, tu vois. Donc voilà, et un petit peu du prix des locations, bon ça je vous en ai parlé un peu, tout a légèrement, beaucoup, un petit peu augmenté hein, depuis le Covid, après le Covid, et depuis qu'il y a beaucoup de monde qui viennent, depuis que les Russes sont là aussi,
ça a un peu augmenté de ouf parce qu'ils prennent tout, ils mettent des tarifs de dingue, donc bah, les Indos ils s'alignent, hein, c'est normal, c'est le biz, c'est comme ça. Donc voilà, c'est juste pour vous dire un petit peu que ouais, voilà, tous les expatriés qui vivent à Bali depuis un moment, et surtout sur Canggu, partent très souvent le week-end pour aller respirer un petit peu, pour aller visiter aussi Bali, ou alors carrément prendre un petit avion et partir dans d'autres endroits ou dans des îles différentes. Donc ça se comprend quand vous vivez aussi, en fait, quand vous vivez ici à Canggu, c'est un bordel monstrueux, il y a du trafic dans tous les sens, même là pour venir à Uluwatu, c'était complètement blindé partout, alors que d'habitude c'est pas blindé, tu vois, d'habitude t'as du trafic à Canggu et t'as du trafic quand t'arrives à Uluwatu, Uluwatu c'est tout en bas, le côté surfeur et tout, avec les belles plages bleues, si vous venez à Bali, c'est là qu'il faut aller pour voir des belles plages bleues, c'est là, ça se passe ici, tu vois, donc voilà, nous, expatriés, nous allons respirer un petit peu pour partir un peu de ce trafic, tout ce monde, les soirées, les trucs, les machins, les... Voilà, Canggu, c'est pas ce qu'il y a de plus beau non plus, hein. C'est là où ça bouge le plus, c'est là où, au niveau business, t'es bien, tu fais des bonnes rencontres, tu peux... Il y a plein de choses qui peuvent se passer, hein. Moi, je ne dis pas qu'il ne peut rien se passer à Uluwatu, ni dans d'autres endroits, mais c'est pour ça que les gens partent aussi, parce que c'est le zoo, j'appelle ça le zoo, pour moi, c'est le zoo. Voilà, c'était juste un petit message comme ça, je me casse. En vrai, je suis bien, là, je suis vraiment bien. I take money. This is my work. I work. Bon, allez, let's go. On va se faire un petit coucher de soleil sur la plage qui est à côté. Voilà, what's the name of the beach? Badandang. What? Badandang. Badandang. C'est un truc genre Badandang Beach. Badandang. Dans le beach, c'est là-bas. On va voir. Ok, my love, ride. Ride and I make video, ok? It's not really good pants for that. It's real good for this. I'm gonna ride so slowly. Watch. Oh my god, it's a car tomorrow. It's too much pressure. Oh my god, you're so dangerous. C'est funny. Why? Your hair is not ready. Not totally straight. Oh my goodness, I love it. Something in my... Oh, oh, athlete. Hello. Beep, beep. Fast and furious. Wait. Hello. Hey. Fast and furious. Charlie. Yes, my love. Yes, my love. It's really difficult. It's really difficult. Yeah. Yeah. It's a beach on this side or no? I don't know, my love. I don't know. Go straight. Just go straight, my love. Okay. Hello, buddy. Buddy. Oh, beach. Ah, Balagang Beach Villa. So I think that's here, my love. Your face is so funny, my love. I was born oh like that. Oh my goodness. It's my bro. Hello, hello, boy. Hello, my name. Hello, my cool. C'est le bordel. Ça, c'est les petites routes, voilà, pour aller à la plage, tu vois, c'est super beau. Putain, attends, t'es ma ça. Welcome. Yeah, but it's beautiful. Just go there, go there, go there, go there. Go there, go what the fuck, bro. Hello! Hello! Fuck, I see nothing. Oh, that's beautiful. Well, I see nothing with that, okay. Okay, my love, let's go. Les gars, je vous fais vivre en direct les trucs avec moi là, pour que vous puissiez voir ce que ça fait vraiment quand t'es à Bali, tu vas découvrir un endroit, tu débarques, qu'il y a tout qui est nouveau, que... C'est trop bien, et c'est exactement le Bali, voilà, c'est comme ça que je vais vous montrer le Bali, c'est comme c'est exactement. Stop, stop, stop. La cocotier, toujours la cocotier. Voilà, et t'as aussi le bordel, hein, les gars, ça change pas, hein, regarde. T'es massa, les déchets partout, c'est les déchets. What? Alors, mon love. You have so many coconuts. Yes. I won't live in a coconut. I said this just 1 second before. I said it's fucking trash everywhere, and you're like, oh, I want to live in coconut. Wow. Wow. Instagram girl. Wow. Oh, this little. Oh my god.
Make video of me how I fall. No, don't make video of you when you fall. Just walk like sexy for like beautiful video. Mais on va la filmer pour que ce soit genre un truc super beau, genre fait le mode où t'es en mode vacances, tu marches au bord de la mer et tout, c'est super sexy comme Instagram attends. Vas-y, let's go. Wow, so sexy for Instagram, for Instagram. Ouf, wow, wow. Oh my god. Wow, so sexy, show me your feet. Oh wow. What's up? Hey, hey. Be sexy, my love. Oh yeah. Oh my god, yeah, yeah. So cool, yeah. Oh my god, yeah. Oh my god, yeah, you're my. How would you say it? I wait. People look at me. Well, I think I'm real like. Oh, mermaid! Do mermaid! Oh, my mermaid! Oh, my. Maybe just play. Ah, du coup, il y a Hugo et Margot qui sont rentrés de Marseille, comme je disais, donc ils sont dans un hôtel. Et là, on va les rejoindre, ils sont arrivés, ils sont dans la chambre. Donc on va aller les voir tranquille, on va les voir tranquille, imposé, qu'est-ce que tu veux, espèce de pute. Ok, so, étage 6. Bon, il n'y a pas de 6 là. It's where is 6? It's, l'ascenseur de droite, 6? 6, tu. Ah. Thank you, bro. Where you go? 5. What's wrong with his short? Wrong legs and wrong shorts. Are you ready to see Margot and yeah? You go, you're ready to see? Yeah. Yes. Oh my god. Say one more bad things. I already forgot. Whoa. 77, okay. Okay. Look at this. Oh, this effect. Ouf. J'ai rien fait, j'ai voulu t'enculer, mon pote. Ça va ou quoi? Oh my gosh. Oh, I smell shit. No, it's not good. No, I smell shit. No, you smell mossy. Et voilà. Oh, t'es trop tôt. La sang. Oh, tu m'as fait craquer le dos, ça fait du bien. How are you? Good. How are you? And your English? Welcome. Your English, motherfucker, is better. Your English now? My English is very good. Bon, on va se poser deux secondes, hein? Peace. I love this. Just in the gym, every guy just okay. Go. Like monkey. Allez, shadow.